Ça c'est direct, les gars, ça c'est direct. Avec un Shukran Mucho, un très très joli Shukran Mucho qui est donc le nouveau tube, le nouveau tube de Gypsy King, des Gypsy Kang, Gypsy Kang, putain, oh, Gypsy Kang. Salut, salut, Khouya Raya. Comment vas-tu, Cap Montreuil, en pleine forme? Salut, 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 salut les amis, salut à tous, ça va bien, coucou, vive la carotte, salut Eric Ruster, comment vas-tu, Christelle Kigroger, tout va bien, tout le monde va bien, Pascal Ezeil, en pleine forme également, David, ça, tu vas bien, bonsoir de la Belgique, salut la Belgique, bonsoir jeune homme, bisous, salut Anne-Marie Douaneau, comment vas-tu, Amel Dada, en pleine forme également, bonjour Mary, salut Michael de la Vigne, Aurélien Marie, crac, la gaffe de Ramucho, la gaffe de Ramucho, oh là là, non, la gaffe, ah oui, ça s'appelait Bud, c'est pas, mais ça n'avait rien à voir, c'était pas du, c'était, il faisait un Colombien, je crois, ou un, oui, c'est ça, ou, je ne sais plus exactement, je crois que c'était un truc dans ce genre-là. C'était pas mal, Bud, qu'on ne voit plus, mais qu'on aime beaucoup, et on lui fait, okay, on fait bien sûr des gros gros bisous. La baisse, ça va, lol, 4 Montreuil, très très bien, Olivier Usant. Salut mon Olivier, tu vas bien, j'espère qu'on va bientôt reprendre tes soirées, avec grand plaisir, Fabienne Lafont, salut ma Fabienne, salut mon millionnaire préféré, tu vas bien, oui, j'ai encore gagné. Cette fois-ci, un petit peu plus, un petit peu moins que l'autre fois, c'est vrai. Mais bon, je suis passé de 84 à 73. Bon, c'est une petite chute, mais enfin, on n'est pas à quelques millions près, bien évidemment. Salut David, RL, tu vas bien? Olé, Emmanuel Thierry. Yes, olé, bien sûr. Pour toutes les amies qui vont envie de chanter, bien sûr, notre très célèbre tube de cette année. Je me recoiffe un peu parce que c'est un petit peu en vrac. De notre ami Shukran Mucho. Vous savez que c'est le tout nouveau tube qui va nous sortir cet été, qui s'appelle Shukran Mucho. Pour ceux qui veulent l'apprendre par cœur, c'est très simple. Ça fait Shukran Mucho. Shukran mucho, como va la vez, como va la vez, mira, chouf chouf, misma, kif kif, mira, chouf chouf, misma, kif kif. C'est pas dur, hein, c'est pas très compliqué le texte, hein, mais il faut le savoir par cœur, pour cet été c'est très important, parce que ça va faire danser sur les pages qu'on peut faire. Shukran mucho, shukran mucho, shukran mucho, shukran mucho, como va la vez. Hermano Ruya, como van a ver, hermano Ruya. Mira, chup chup, mira, chup chup. Misma kif kif, misma kif kif. Shukran mucho, shukran mucho, shukran mucho, shukran mucho. Voilà, vous avez prévu, vous avez donc bien noté le et le texte et les accords. Magnifique, c'est parti, c'est parti. Salut Eric de 95, comment vas-tu, change mes pauvres oreilles. Oh, s'il te plaît, tu nous régales, me dit David. Voilà, voilà, un gars qui a du goût. Un gars qui a du goût, un gars qui a du goût. Salut, salut, je suis mort, me dit Jacques, ce nom ne meurt pas maintenant. C'est la nouvelle musique de l'été, ça sera très certainement un tube qui va sortir et faire très certainement un énorme succès. Salut mon Jacques, tu vas bien, ça va, Hermano Ruya. Hermano Ruya. Shukran mucho, comment va la messe? Comment va la messe? Tu chantes faux, dommage. Alain de Sweet, vas-y, envoie qu'on rigole. Salut, Alu, Moubarak, Aïd Moubarak. Aïd Moubarak, les amis. Les amis musulmans qui viennent de finir leur ramadan, je ne sais pas pourquoi ils font une fête. J'ai l'impression que le ramadan n'était pas une contrainte, et là il y a une fête à la fin. Je ne sais pas pourquoi, il faudra m'expliquer. Je ne connais pas très bien l'histoire du ramadan, et je connais l'histoire du carême, mais parce que c'est plus dans ma religion, j'adore la religion musulmane. Mais il faudrait savoir si tu m'expliquais, parce que je ne suis pas spécialement pointu dans cette religion qui n'est pas la mienne. Salut, tu ravives nos cœurs, Monique Carlos. Ben, moi aussi, salut de Perpignan, salut Johan Mal, comment tu vas, la chanson de la carotte. La chanson de la carotte, on pourrait également l'appeler comme ça, grand job. Salut les amis, coucou Mairie du Nord, salut Muriel Bourgeois. Comment va la messe? Comment va la messe? Très très bien. Comment va la messe? Comment va la messe? Aïe Moubra. Comment vas-tu? Trop, c'est trop beau, me dit Fabienne Lafont, t'es trop beau, je te mets, c'est trop beau. Ah ouais, dommage, super, Mérite, je te remercie. Damien, coucou, 80 millions, combien tu récupéré pour l'État? Je récupère la totalité. Salut, t'es un tueur, me dit Marsou Haribi. Comment vas-tu, mon Marsou Haribi ou ma Marsou Haribi, je ne sais pas. Salut, sort un single. Pourquoi un single? Il y a de quoi faire un album avec ça. Salut de la Drôme, je te fais un petit coup de bouba là-dessus. Comment va la baisse? Comment va la baisse? La baisse, la baisse, la baisse. Comment va? Mira, mira, chouf, 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 mira, kif, 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 kif. Tu veux dire mon nom? Tu peux dire mon nom? Jacques, le, cr, le, cr, le, cr.
Bisous du Rhin-Sy, bande des voisins, mon ami. Salut Chouchou la carotte. Mérite est au top en ce moment, je suis souvent au top. Mais là, je suis encore mieux, encore plus heureux que je ne sais pas pourquoi. La vie me sied à ravir, j'aime beaucoup la vie, j'ai l'impression que la vie m'aime énormément. Tu vas bien mieux. Comment, j'aimerais que tu nous parles de notre situation. Vous voyez votre situation ? On a fait une très très belle. On a fait un mois bizarre, on a eu une année bizarre, vous savez qu'on a enchaîné sur des gilets jaunes, puis la réforme des retraites totalement abandonnée, de toute façon, il n'y a plus besoin de la réformer parce qu'elle va changer d'elle-même. Et puis nous avons eu après la grève, bien évidemment, pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, la SNCF qui a fait des grèves également. Et puis nous terminons maintenant avec un coronavirus et puis une fin de confinement pour un redéconfinement. Pour un reconfinement, on ne sait pas très bien où on va, mais tout ça a l'air maîtrisé. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, on ne sait pas comment exactement, mais ça va bien. Salut, siège bonobo, salut vieux singe, comment vas-tu, vieil ami? Salut, tu viens pas sur Edin? Non, mais j'aimerais beaucoup, c'est un de mes rêves, venir sur Edin et puis mourir plus tard après. Ou peut-être ne jamais aller à Edin, mais jamais mourir. Salut voisin, salut Yannick, en pleine forme, salut les amis. Salut Neber Gunner, tu es bonjour, je pense que tu vas jouer la Bill Gates. Salut, NDR me dit Jacques Lecoq, un petit rap avec la carotte, le cruxeux. Pas facile à dire, ton nom. Hein. Salut, l'ami. À quand un live à la télé? La télé, j'ai pas le feu, j'en ai fait beaucoup. Et puis, la télé est devenue un instrument assez triste sur lequel on peut pas dire grand chose, pas faire grand chose. Alors, si tu ne fais pas du Anne Roumanoff, tu ne peux pas y aller. Mais moi, je m'ennuie un petit peu à faire ça. Donc, je pense pas retourner tout de suite. C'est pas du choucrave. Non, c'est choucrave, pas choucrave, je te choucrave. Bisous de l'Ariège. C'est ça, de l'Ariège. On t'aime, nous aussi. J'adore les Ardéchois du bois. Comment vas-tu, octobre confinement? Je ne sais pas, c'est possible, mais pourquoi pas? On peut peut-être confiner un jour en octobre ou beaucoup plus tard. N'oubliez pas qu'un virus, tant qu'il n'est pas maîtrisé, il est toujours capable de revenir à n'importe quel moment. Peut-être pas pendant l'été, parce que ça n'a pas l'air sa période préférée, contrairement à beaucoup de nous autres qui aiment beaucoup nous mettre sur les plages. Lui, le virus n'aime pas se faire bronzer. C'est possible, donc nous verrons peut-être l'hiver prochain. Merci, tu m'as reconnu, tu m'as répondu, me dit François Montibon, bien évidemment. Serge Dulac, salut mon pote, tu te souviens de moi, le pote à Linda, et on était où au ski en Savoie. Oh yes, comment tu vas on se dira, Resitue-moi avec qui on était exactement, Linda, je vois. Oui, très bien, très bien. Oui, très bien, je te fais plein de bisous, mon ami. T'es le meilleur, Mary, merci, je te remercie beaucoup, je suis membre du Jacques Crucux. Dis mon nom, s'il te plaît. Maximilien HDD, c'est ça? Big up de l'Alsace, big up, l'ami. Salut du Mans, salut Jacques Creux. Tu es au top, me dit Laurent. Eh bien, voilà, nous sommes en pleine forme pour vous rappeler que nous avons passé une semaine un petit peu exceptionnelle. C'est la première semaine de déconfinement. Il y a des gens qui vont à la plage, des gens qui ne vont pas à la plage. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on ne peut pas y aller? Il faut voyager à 100 km à vol d'oiseau. Ça s'appelle l'orthodromie. Je ne sais pas si vous le savez. À vol d'oiseau, il y a beaucoup de gens qui disent à vol d'oiseau. La distance orthodromique, c'est la distance en fait à vol d'oiseau. Il y a plein de mots comme ça, hein, des mots nouveaux d'ailleurs un peu. Enfin, pas l'orthodromie, mais on ne l'employait pas beaucoup. Tu fumes quoi? Tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas parfois, des fois, même quand c'est mort, je fume des cadavres, des souris, des rats. Salut Jérôme, tu vas bien? Je respire. Oh, tout va bien, je n'ai pas besoin tellement de respirer. On va bien manger chez ma mère après. Salut Maximilien HDD. Edadi. Ah yes, Edadi, salut. Hello Choukran, Jessie, comment tu vas? Bouzou de Pornic, ta mère, ça va bien? Christophe Nicolas, en pleine forme, mon Christophe Nicolas. Mais moi, je vais bien aussi, je te remercie, je t'envoie aussi des petits cœurs et plein de sourires, puisque je vois que tu m'as l'air de fort bonne humeur, mon Christophe Nicolas. Voilà, ça va. Oh là là, il y a plein de trucs. Bonjour du Québec. Il y a les Québécois qui reviennent. Un jet privé. Oui, alors, c'est un vol d'oiseaux. C'est vrai, vous savez qu'on peut prendre plusieurs genres d'oiseaux. Notamment, on peut prendre, bien évidemment, pour voyager, un aigle royal, mais c'est un petit peu la classe supérieure. Nous avons, bien sûr, également le faucon. Nous avons le condor. Mais le condor est en repos, le condor. Yes, t'as compris? Yes! Et puis nous avons également, bien sûr, le vautour. Tu peux prendre un aller-vautour ou tu peux prendre un jet privé. Un jet privé qui, lui, par contre, tu es seul avec ton jet. Ça, c'est bien, ça. Dites bonjour en 34 en particulier. Salut les 34, petits bisous de la clinique du millénaire. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Nino Routi, Choukran Aurélien Marie, je suis ton premier ministre. Hein, mon premier ministre, avec grand plaisir, mon ami. Un petit jeu à la con, un petit jeu de con pour le déconfinement, un petit jeu à la con, un petit jeu de con pour le déconfinement. Pour le déconfinement. Ok, un jeu de con, je l'improvise parce que je ne l'ai pas trouvé. Je suis un véritable abruti, attention, c'est parti. Je suis un véritable abruti, je tire par l'avant, et j'annonce la venue de mon nouveau-né. Ah, c'est parti. Je ne dirais pas 36 fois celui-là. Il n'est pas difficile, vous allez pouvoir le trouver. Hein. C'est vrai que tu as gagné 87 millions. Non, pas du tout. J'ai gagné 84 millions dans un premier coup, 93, enfin un petit peu plus, 92, 900. Là, il n'y a pas longtemps. J'ai gagné deux fois, si tu veux, évidemment. Ça fait énormément d'argent, mais bon,
De l'autre côté, tu sais, je vis tout seul, j'ai pas de femme, pas d'enfant, donc il faut bien que je puisse m'entretenir au quotidien. Sordide, je t'emmerde. Alors, salut, reste comme tu es, t'inquiète pas, je ne bougerai pas, mon Guillaume. Salut, Océane, Océane, je te fais plein de bisous. L'eau ou l'essence? Il faut boire de l'essence, c'est beaucoup, et encore maintenant, beaucoup, beaucoup, encore beaucoup moins cher que l'eau, voilà ce que je voulais dire. Dans une station totale, tu sais, tu prends une bouteille d'eau de 50 centilitres, tu vas la payer à peu près entre 2,20€, voire des fois 2,50€ à l'aéroport. Et que le litre, là je te parle à 2 000 litres, ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau. Quand tu prends 2 000 litres de carburant, en ce moment tu dois l'avoir à 1,20€ à tout péter. Donc bon, il y a un faux compte qui prend pour toi et fait croire qu'on a gagné 1 000€. Oui, je sais, mais je pense qu'il a été supprimé. Alors, il revient régulièrement, ce faux compte. Bah, faites gaffe, vous ne faites pas voir. Effectivement, il y a un vrai faux compte qui fait croire que je vous ai fait gagner 1 000€. Si je faisais gagner 1 000€ à tout le monde, je n'aurais plus d'argent, je serais un miséreux, je serais un gueux. Alors je préfère rester être un anti. Ah, bonjour, Sir Mary. Salut mon Gojour. Salut Gojour, Véronique. Plein de bisous. Ou constipé, me dit Lucas Beva. Ah bon, pourquoi? Tu penses que le pavillon en banlieue parisienne? Salut Greg, tu vas bien, en pleine forme? Salut 84. Salut mon docteur Raoult, j'adore docteur Raoult. J'ai vu une émission hier sur BFM ou avant-hier, et en fait c'est rigolo parce que tu te rends compte que BFM est quand même un tout petit peu orienté dans la mesure où ils ont particulièrement parlé de l'homme, du monsieur, et attaquant même sa vie privée, comme quoi c'était peut-être voire même un peu genre un tyran, tu vois, et que c'était un type qui dirigeait de façon très autoritaire et qui volait pratiquement ses collaborateurs pour signer des documents et des parutions, parce que c'est comme ça. Mais alors, c'est quand même vachement étrange, et t'as même des gens de très proches du gouvernement, dont BFM TV, qui critiquent en fait ce mec qui a eu quand même finalement une énorme aide de l'État, et l'État, quand c'est bien le conseil médical, le grand conseil médical, la supérieure, et l'État qui lui a donné ses 80 millions. Donc en fait, ils seraient en train d'avouer qu'ils auraient financé un type complètement incompétent. Il n'y a pas grand-chose qui tient la route dans tout ça. Il ferait mieux de s'occuper du travail plutôt que de l'homme et d'essayer de dénigrer le monsieur qui, malgré tout, obtient des résultats. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, malgré tout, il y a quand même eu beaucoup moins de morts à Marseille qu'à Paris. Même pour, il y a peut-être des tas de raisons, mais en fait, toujours est-il, pour un mec qui est finalement un nul... Petit doute, comme un garçon. Salut, ça va bien? Salut Cyril Le Ténot, tu vas bien? Je comprends rien, c'est pas grave, mon Maximilien, va te reposer. Salut Marc, salut tout à fait. Salut JP Pipman, ça va bien? Faut arrêter avec BFM. Oui, il faudra mieux d'arrêter, comme tu dis. Déconfiné, ça va bien, fidèle à toi-même, la classe. Je te remercie beaucoup. On ne bouge pas, t'as vu, ça fait. Quand tu te rends compte que j'ai 27 ans, tu te rends compte, t'es pas une ride, regarde. C'est pas incroyable, regarde. Pas une ride. 27 ans et pas une ride. Bon, les amis, le con du jour, vous avez trouvé. Je suis un véritable abruti. Je vous le répète. Je suis un véritable abruti. Je tire par l'avant. Et j'annonce la venue de mon nouveau-né. Et ouais, vous êtes prêts? La grosse bise. Le druide Raoulflix, ouais. Mais écoute, ce Raoult, moi, je trouve bien sympathique que tu es beau et tout bronzé. Bah, disons qu'en ce moment, l'occupation principale est quand même de se mettre dans sa chaise longue et de bronzer. Donc, effectivement, j'ai un petit peu bronzé. Salut, Mary Lacarotte. Tu viendras un jour dans le grand test, bientôt, j'espère. C'est avec plaisir. Tout ça sont des régions que j'aime beaucoup. Donc, je verrai très certainement dans le grand test. Ce sera avec un énorme plaisir. Salut, 27 ans, me dit Nénès. Oui. Tu pensais que j'avais moi? La balle, tu es une sauterelle qui bat des ailes au top. Mary, je te remercie, Sylvain Carter. Marc Couchy, et boum, tu as raison. Quel âge as-tu, Mary? 27 ans, je viens de dire, c'est l'abonnement que tu gardes comme cela. JP Pepman, je te remercie beaucoup. Rémi, Anne, pourquoi Anne? Je vois pas ce que tu veux dire. Peut-être, tu as peut-être un message que tu veux faire passer. Sois un tout petit peu plus clair. Est-ce que tu te teins les cheveux en jaune? Non, pas vraiment. Convolé. Non, pas convolé. Je te tire par l'avant. Est-ce que tu as fait du sport en confinement? Je te laisse juger par toi-même. Regarde. Juge par toi-même. Est-ce que j'ai fait du sport? Juge par toi-même. C'est toi qui me donne la réponse. Charrette. Coucou. Laisse-le, nom de Dieu. Je parle de toi avec Stéphane Espy. Vous êtes tous les deux des mecs. Je te remercie beaucoup. Un âne. Pourquoi un âne, confinement? C'est un jeu de con. Il faut trouver un jeu de con. Ça commence forcément par con. Je suis un véritable abruti. D'accord. Ah, attention, hein, Camille. Il m'a donné une réponse, mais il a mis un point d'interrogation. Donc, du coup, c'est pas une réponse, c'est une question. Donc, je peux pas te dire que t'as bon. Mais t'étais pas loin, mon ami. T'étais pas loin, dommage. Je te tire par l'avant et j'annonce mon nouveau nez. C'est quoi? Coucou, Mary. Attends, qu'est-ce que tu viens en Vendée? On t'attend. Et Pikachu. Salut, Nicolas Kaufmann. Tu es mon Pikachu, 27 ans. Hors taxe, bien sûr. Bah, hors taxe, oui, mais il n'y a pas de taxe sur l'âge, contrairement à l'essence. Salut, Mary, président. Je n'y tiens pas vraiment. Salut, tu n'as pas soif, mais Nicolas Pont? Non, ça va. Préviens quand tu reviens à l'Irlandais, bien évidemment, dès que ça sera ouvert, parce que pour l'instant, c'est un petit peu difficile d'y aller, vu que c'est fermé. Quel homme, me dit Laurent. Notre équipe, tu as remarqué le sport que j'ai pu faire pendant tout ce confinement. Salut du 62. Et salut du 74, me dit-on, 27 ans de carrière comme moi, me dit Jean Maillet.
qu'est-ce que tu fais comme carrière? Salut Jean-Luc Manouche, salut Mérite et un génie, je te remercie beaucoup. Contraction, me dit Lily Ticia, et effectivement, t'as gagné parce que t'as pas mis un point d'interrogation. Malheureusement, quelqu'un tout à l'heure m'a dit contraction avec, avec un point d'interrogation, et il n'y avait pas de point d'interrogation, sinon c'est une question et ce n'était pas une réponse. Effectivement, je suis un véritable abruti, je suis un con, je te tire par l'avant, c'est la traction, bien évidemment, traction, et j'annonce mon nouveau-né, la contraction. Ton style de musique. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire, mon ami? Nous ne sommes pas que des gueux. Nous ne sommes pas que des gueux, mais en majorité, nous sommes des gueux, en tout cas, pris pour tel. Attention, ça j'aime comme musique. Ah, c'est ce que je fais. Choukran mucho, choukran mucho, choukran mucho, choukran mucho. Comment va la baisse? Comment va la baisse? Mira chouk chouf, mis ma kiki. Choukran mucho, choukran mucho, choukran mucho, choukran mucho. Et voilà, vous avez toujours bien entendu cette chanson qui va devenir la grand tube de l'été de 2020. La coke ne brûlera pas, me dit Grand Garnot. Je ne sais pas, Olivier, Gérive. Bonjour, Mary, je suis quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? J'ai pas eu le temps de te lire, mon Olivier Gérive. Bonjour, je ne suis pas. Je suis un ami Christine de Narbonne. C'est moi qui t'ai filé le virus de tes prestations. Ah, c'est possible, alors, je ne sais pas. Je suis ravi d'être un gueux. Tu as bien raison, c'est une très très bonne place. Mira chouf chouf, Mira chouf chouf. Regarde. Misma kif kif, c'est la même. Hermano Ruya, mon frère. Choukran mucho, comment va la baisse? C'est comment vas-tu, mon frère Ruya. Toujours aussi fou et on adore ta folie, me dit-il, je te remercie, bonjour de Liège. Il fait beau à Liège, hein, il fait un temps toujours magnifique en Belgique. Ton bronzage te va très bien, mon ami. Je te remercie, mon Jérôme Méry, tu es au top, me dit Marc. Merci, tu prends du crack. Entre autres, oui, mais je le roule dans de la cocaïne et je mets du cannabis autour. Et je mets tout ça dans de l'héroïne et je me le mets dans une seringue et je l'injecte là, directement dans la gorge. Parce que ça, c'est plus rapide, ou des fois je me mets directement dans la seringue, dans le cœur, voilà, comme ça tu sais tout. Tu as vu que les lieux de culte vont réouvrir. Oui, c'est très bizarre, les lieux de culte vont réouvrir, alors qu'on n'a pas besoin de lieux de culte quand on est croyant, la religion n'étant qu'une adaptation, une exploitation de la croyance, pour ceux qui ont une véritable croyance, qui serait alors une conviction personnelle et non pas une exploitation par l'homme. Coucou du genre du Beauviré, comment vas-tu? Bonjour de la Nièvre, les gueux, te salue, je salue les gueux rouges et les gueux verts, parce qu'avec il y a maintenant deux sortes de gueux, nous avons les gueux contaminés qui sont les gueux rouges et les gueux sains qui sont les gueux verts. N'oubliez pas qu'il va falloir passer en zone verte, les gars, si vous voulez vous baigner, parce que les gueux verts ont pratiquement toutes les plages. Je te kiffe, me dit Jacques Le Creuset, moi aussi, je t'aime, tu es notre soleil et tu nous fais bronzer toute l'année. Faites comme moi, bronzer toute l'année uniquement à l'intérieur et qu'au bout d'un moment ça se voit à l'extérieur quand t'es heureux. Hein. Il faut réinventer une chorégraphie. Bill Victo, je te nomme chorégraphe officiel de Choukran Mucho. Donc à toi, Bill Victo, de nous trouver une très 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 jolie. Chorégraphie, je te remercie. Tu es au top de la terre entière, monsieur Méry, je te remercie. NDR me dit Damien Ansard, je pense. Ansard, comment vas-tu, Evelyne Garnier? Le cœur n'est pas à droite. Oui, mais tu sais que là, le principe sur la vidéo, tu te rendras compte, c'est que les images sont inversées. Tu connais le miroir? Coucou de la Corrèze, me dit Sylvie, je te fais des bisous, l'Euromillion. Elle était bonne, celle-là, oui, elle est très très bonne, elle est excellente, et puis ça met à l'aise. Hein. Tu vas bien ou en vacances cet été? Alors cet été, je vais bien sûr aller, je commence par l'Amérique du Sud. Après, je repars en Asie, je fais tout. Hein. Je vais en Australie, Nouvelle-Zélande, et puis après, je ferai tout ce qui est l'océan Indien, hein, évidemment, cet été. Et tout ça, évidemment, à pied. Le virus va tuer notre amitié, me dit Salim Banderas. Le virus va tuer notre amitié? Alors, je ne sais pas ce qui peut tuer ton amitié entre toi et moi, ouais, avec tout le monde, toi, tes amis, avec tout le monde, je ne sais pas. Merci pour ton humour, Mérite, tu déchires, je te remercie. Bonne hihi, Sandrine Willey. Je te fais des bisous, ma Sandrine, tu vas bien? Go rep d'homme. Amérique du Sud, énervé. Faut que tu vives longtemps. Je te jure que c'est mon projet. Mon projet est de vivre extrêmement longtemps. Je pense que j'ai gagné l'éternité même. Parce que tu vois, l'avantage de ces petites vidéos que l'on fait comme ça, ça peut être regardé des années après que tu aies disparu. C'est comme ça que tu gagnes l'éternité. C'est fou, non, ancien monsieur de la carotte. Bonjour, mon ami Macron, nul, voté Mérite, je te remercie. Marc Couche, Sandrine Villèze. Oui, oh oui, les bisous. Le curé du sketch, le sketch du curé, c'est super. Je te remercie, ma Sarah. Je te fais des bisous, la carotte Edouard. Stora, salam rouya, mon ami. Une petite bière suivie de Salam Rouya et de la République Dominicaine. J'y vais également, tout ça à pied. As-tu regardé Koh-Lanta? Je ne regarde jamais Koh-Lanta. Le virus va nous tuer. Tu sais que je regarde extrêmement peu la télévision. En tout cas, jamais les émissions. Mais non pas par snobisme, c'est que ça, je m'emmerde.
Salam Rouya. Salam alaikum, les amis, t'es le meilleur artiste. Mary, sache, je te remercie. Tu peux sortir de la France, les voyages sont interdits étrangers. Oh yes, ça y est. Salut, Mary. Bonjour de la Creuse. Comment vas-tu, Mary, présidente de Thierry Grandchir? Elle est où, la carotte? Me dit Rémi. Eh bien, la carotte, il faut la chercher un petit peu. Vous avez vu cette petite affiche, n'oubliez pas, hein. Il va y avoir un deuxième tour ici, hein. Oh, c'est à l'envers, je rappelle pour notre ami qui disait que le cœur est de l'autre côté. C'est à l'envers parce que c'est un miroir, d'accord? Regardez bien, ne votez pas mais pour moi, d'accord? Ne votez pas mais pour moi. Très important, vous savez qu'il va y avoir un deuxième vote, un deuxième tour qui va être... qui va bientôt être, je crois, le 28 juin, si tout va bien, parce qu'ils se proposent également, ils ont quand même la garantie au cas où de reporter également le deuxième tour s'il y avait un petit problème de contamination. Alors n'oubliez pas que pour toute cette histoire de deuxième tour, voter, comme disait Diderot, l'a dit, Nietzsche l'a confirmé, voter c'est élire son propre bourreau. Alors ne leur donnez pas la hache pour vous couper la tête, ou alors après, ne vous plaignez pas d'avoir été décapité. Donc il vaut mieux éviter de voter, d'abord pour éviter d'être contaminé, en plus ça ne sert à rien, sachez que le système est niqué à la base, puisque le mode des élections est forcément faux. Je vous l'ai expliqué plein de fois, mais si quelqu'un veut que je réexplique, je peux réexpliquer. Donc, voter ne sert strictement à rien, à rien, à rien. En plus, voter pour des candidats. Sachez que quand on vote des candidats, on vote pour des gens qui veulent absolument être responsables. Donc, forcément, on vote pour des gens qui veulent ce truc, qui veulent cette espèce de pouvoir depuis des années. Il faudrait voter pour des méritants et non pas pour des candidats. C'est-à-dire, nous-mêmes, dire tiens, ce mec-là, on a envie qu'il nous représente parce que ça va être un mec super bien, sans que lui le souhaite. Parce que si tu votes pour un candidat, tu votes pour un mec qui est déjà dingo de pouvoir, forcément. Alors, si tu regardes, quel est ton film préféré finalement? Les Chevaliers du Fiel, le film que je viens de faire. Enfin, qui m'a bloqué. Qui s'appelle Les Cloches, je ne sais pas si c'est la peine. Voilà, je te refuse, mon ami. Nous avons salué Marie à quand l'Olympia? Oh, je l'avais fait une fois, ça avait été une catastrophe. J'avais un protecteur pourri qui m'avait fait faire l'Olympia. Et un peu idiot, comme beaucoup de producteurs. Et puis, du coup, on avait organisé ça n'importe comment. Ça avait été une catastrophe. Mais j'en garde un souvenir excellent. Et je me rappelle que je m'étais fait jeter, ça, ce que je vous dis est vrai, je m'étais fait jeter par le public. Parce qu'ils avaient rempli avec... J'étais mis en première partie d'un groupe musical, j'avais rien à faire là, et j'avais un producteur complètement neuneux et un petit peu cocaïné qui m'avait foutu là-dedans, et je me suis retrouvé me faire jeter par le public, ce qui est assez impressionnant, hein, à l'Olympia, il y a quand même du monde, et j'avais rien à foutre là, je les faisais chier, quoi. Et je suis parti, et il y avait un monsieur à l'époque, qu'on appelait Marcel, la légende disait qu'on avait construit l'Olympia autour de lui, et il y avait aussi le directeur de l'époque, et ces gens-là me disent à la fin du truc, quand je me suis fait virer, ils me disent « Putain, tu t'es fait virer violent ». Et c'est vrai que j'étais un petit peu démoralisé, je me suis vraiment jeté. Ils m'ont dit « On n'en a pas vu beaucoup se faire virer comme toi de l'Olympia ». C'est vrai que ça a été violent. Parce qu'on a vu les Beatles, Johnny Hallyday et toi. Vous êtes les trois seuls mecs qu'on a vu se faire virer avec autant de violence l'Olympia. Et ben j'ai trouvé ça plutôt sympathique de ces mecs-là, même si c'est pas vrai. Et je pense qu'en plus, c'est vrai. Quel bavard me dit Silver Madec, mais je t'aime, Silver. C'est pas que les cloches sonnent. Non, c'est l'ascension. Quelle heure est-il chez toi? Où est-ce que tu es, mon ami Sylvie Mantero? Est-ce que tu es en France, en métropole? Elle fait du bruit, la mosquée. Oui, t'as vu. On peut voir un spectacle à l'ancienne Spain, bien sûr. Nancy Bonomo, coucou, ça va très très bien. Est-ce que tu es content de tes cloches? J'en suis très 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 content. Si vous voulez entendre les cloches, il suffit de m'appeler 06 09 24 49 39 et tu auras automatiquement les cloches que vous allez entendre. Je sais bien que ça en distresse certains, faites-vous plaisir. Expliquez-nous ton savoir, tu ne votes pas. Alors non, je ne vote pas. La démonstration du vote, pourquoi? Je vous le fais très très vite, hein, parce que je sais que c'est un peu chiant, mais vous allez voir que ça peut être extrêmement vite compris. Nous sommes 66 millions de Français, il n'y a que 44 millions de Français qui ont le droit de vote, qui ont perdu le droit de vote, qui n'ont pas parce qu'ils sont trop jeunes ou pas, ils ont perdu le droit de vote. Si tu ramènes sur un groupe de 10, pour qu'on comprenne bien de façon extrêmement facile, il n'y a que 7 Français sur 10 qui peuvent voter, 7 Français. Mais tu en as 3,5 qui ne votent pas parce que c'est à peu près 50%, la moitié, 50% d'abstention avec les votes blancs. Donc tu n'as que 3,5 sur le groupe de 10 qui votent. Et tu en as la moitié qui votent pour candidats opposés. Ils sont élus, les candidats, à 48-50 en fin de tour. Donc en réalité, il n'y en a que 2. Donc en réalité, un président actuellement qui va commander le groupe de 10, quoi qu'il arrive, donc les 66 millions de Français pendant 5 ans, est élu avec 2 personnes. Au grand, grand, grand maximum. Savoir qu'un an après, il y en a un des deux qui est mécontent. Donc le gars est soutenu pendant 5 ans en place, il va diriger pendant 5 ans en place. Alors voilà, il va donc diriger, excusez-moi c'est un coup de fil, il va diriger donc pendant 5 ans avec une personne, il va diriger le groupe de 10 pendant 5 ans avec une personne qui le soutient, une personne, une. C'est-à-dire que le gars ne représente rien, absolument pas un Français. C'est pour ça que quand un président est reçu par un journaliste quelconque et que le gars dit j'ai été élu par les Français, pas du tout, pas une seconde, mais pas une seconde. Il me dit, mais non, pas du tout, monsieur machin. Tu n'as pas été élu par les Français du tout, parce que le système de vote.
les gens. Ils sont contents les gens. Élection au premier tour, donc n'oubliez pas que ça, c'est très important, le parti des abstentionnistes, ne votez pas, mais pour moi, ne votez pas, mais pour moi. Ceci est une phrase qui ne veut rien dire, mais c'est le but même de la politique. Le Pen va être élu, je ne sais pas, coronavirus, attention mairie, attention à quoi? Non, moi tout va bien. Voilà, Sandrine, tu es quoi Sandrine? Et tu habites? Elle me pose comme question, et tu habites? Oui, j'habite. À quand un duo mairie François Rollin? Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mets-toi, on va pas te déranger. Mets-toi quoi? Mets-toi en ne pas déranger? Non, pourquoi? C'est sympa, c'est rigolo, on s'en fout. Pourquoi tu n'es pas médiatisé à la télévision? Alors j'ai fait la télévision il y a quelques temps, et en fait la télévision demande d'être extrêmement consensuel. Alors si tu fais pas du Anne Roumanoff ou du Gad Elmaleh, c'est-à-dire qu'il faut en gros rien dire. Alors tu peux faire des sketchs sur un téléphone portable qui vibre, tu peux faire des sketchs sur un gars qui avait trop bu la veille puis qui a tiré une grosse. Toi, tu peux faire plein de choses comme ça. Tout ça, ces sketchs-là. Mais ces sketchs-là sont faits, surfaits, refaits. Où tu peux faire des stand-up. Salut sur la Torah de ma mère. Salut frérot, ça va frère. Tu vois, tu peux faire ça. Là, tu peux faire du Hanouna, des machins comme ça. J'ai rien contre, hein, sauf que moi, je m'y ennuie. Quoi, voilà, donc je préfère tout simplement m'amuser sur des réseaux sociaux ou chez moi, tu vois, m'amuser comme ça, ça me fait rire. Et puis la télévision n'est pas du tout indispensable, ça donne une certaine notoriété, parce que la notoriété est franchement indispensable. Ça peut être parfois un sacré boulet, surtout que il faut quand même passer en plus par des gens qui sont eux-mêmes un peu lourd, donc c'est pas forcément évident. Tu n'as pas soif à force de parler si vite? Je ne parle pas si vite, c'est parce que tu écoutes lentement. Normal, il fait la vidéo, il ne va pas répondre, évidemment. Quatement très, très intelligent, parce que je suis en duo en direct, effectivement, je ne peux pas répondre au téléphone. C'est bien, les gars, il y en a là-dedans, il n'y a pas de caca. Comment tu vas? Comment tu gagnes ta vie? Je suis riche, tout simplement riche. Alors, je n'ai pas de. Ce que je sais, c'est je ne sais pas si je gagne ma vie, mais en tout cas, je ne perds pas mon temps. La cloche sonne. Salut, Mary. Il est fêlé et les personnages fêlés laissent passer la lumière. Par exemple, bonjour de la Corrèze. Ça va, mon Grégory? Je serai bientôt en Corrèze. Sinon, c'est quoi ton boulot? Je suis en train de faire en ce moment, mon Frédéric Popov. Tu vas bien, mon papa? Je te fais des bisous. Salut. Si Macron est deuxième tour des élections présidentielles contre Madame Marine Le Pen, on sera obligé de voter Macron. Vous n'êtes jamais obligé de voter, croyez-moi. À partir du moment où c'est un droit de vote, hein, c'est pas un devoir de vote, quoi qu'on en pense, ou une obligation de vote, sinon ça serait tout d'un coup une dictature. Tu vois, si t'es obligé de voter, tu n'es pas obligé de voter, t'as un droit de vote. Le droit de vote reste un droit, mais un droit, tu n'es pas obligé de prendre le droit, même si tu peux le faire. C'est ça manque, ta chemise. Ah, ma jolie chemise de. Oui, mais regarde, c'est pas mal un t-shirt, tu vois, c'est sympa, j'avais envie de changer. Mary, tu es un dieu, je sais, tu ne vois pas trop l'auréole là, mais il y en a une là, il y en a une. Et derrière, ça s'appelle une tonsure. Coucou Mary, salut président, salut J. Marl, tu vas bien? Viens chez moi, j'habite sous les cocotiers. Dans quel coin es-tu, Marc Cucci? Maxime Ferreira, quand est-ce qu'on verra dans Dijon? Je ne sais pas encore. Bonjour de la Thaïlande, Sawadikap, Benoît Paul Vord. Et toi, imagine, oui, ça pourrait être très sympa. Tu reviens quand à Toulouse? Ah, c'est vrai que j'ai fait pas mal de Zénith à Toulouse, tu vois, et des choses télévisées. Mais je crois en Dieu. Je pourrais croire en Dieu, je pourrais croire en quelque chose. Je ne ferai jamais partie d'une religion. J'ai fait partie d'une religion, bien évidemment, malgré moi. Mais maintenant, je ne ferai plus jamais partie d'une religion, parce que je pense que c'est la manipulation de Dieu. C'est Dieu qui est manipulé par l'homme. Et ça ne reste pas. Je trouve que les gens qui sont croyants, pourquoi pas? Moi, je ne le suis pas. Mais pour les gens qui sont croyants en n'importe quoi, d'ailleurs, tu peux croire en Cosmochronos, peu importe, parce que à partir du moment où tu fais une religion, évidemment, ça devient un véritable danger, parce que tu relis soi-disant des hommes et que tu en fais des sectes. Sectes, segments de la population ayant une pensée commune, c'est la seule définition de la secte. Donc, tu fais forcément une secte avec une religion. Et qui devient dangereuse, parce que tu les opposes après pour faire des guerres, diviser pour mieux régner. Jules César. Donc, il faut faire très attention à ça, à cette manipulation de Dieu par l'homme. Est-ce que l'homme a créé Dieu ou est-ce que Dieu a créé l'homme? On connaît tous la réponse, mais personne n'ose la dire. Ce serait une tuerie pure et toi sur le scénario d'un film. En plus, Samantha, regarde. Eh ben tant mieux, alors moi je regarde Samantha, je lui fais des bisous. Bonjour de la ville de 7, salut, laissez-toi, les 7 heures, les 7 heures, exact. Sylvia Madère, 100% d'accord avec toi, merci Jacques. De la Guadeloupe, salut, ah tu es en Guadeloupe, je crois que tu m'avais déjà envoyé des messages. Et pour que je vienne te voir en Guadeloupe, je te le promets. Voilà, écoutez, on s'est dit plein de choses, soyons pas sérieux, Grégory. Attends, je l'ai pas encore dit, hein, tu portes les habits arabes? Oui, bien sûr. Bonsoir, Mary. Connais-tu les reptiliens? Non. Ah, mais tu peux être un jour. On parlait de croyances. Il y a toutes sortes de croyances, mais tout le monde ne fait pas des sectes et tout le monde ne fait pas des religions qui deviennent dévastatrices. Regarde, par exemple, tu peux croire en Cosmochronos. Est-ce que tu connais Cosmochronos, ni Dieu ni maître? Oui, ça, c'est Bakounine et Proudhon, mais c'est l'anarchie, ni Dieu ni maître. Mais pourquoi pas, évidemment, et Proudhon. Mais je parlais des religions parce que je vois ni Dieu ni maître. Effectivement, ça me rappelle une certaine culture anarchiste. Mais si tu voulais faire, par exemple, des gens qui croient en quelque chose, mais qui ne font pas forcément des religions, c'est-à-dire qu'ils ne se regroupent pas pour faire des guerres. Par exemple, tu as
Cosmochronos. Mais Cosmochronos, Cosmochronos, c'est ceux qui peuvent croire dans la réincarnation. Dans la réincarnation. Grâce à ma sœur la mouche, à l'oiseau dans le vent, à tous les animaux qui vivent sur la terre, et à tous les poissons qui peuplent l'océan, Cosmochronos c'est grand, Cosmochronos c'est grand. Voilà, on pourrait croire en Cosmochronos, la réincarnation, pas pour autant faire une religion, pour simplement une conviction personnelle. Le film, j'ai le scénario, yes, tu me le diras, Greg Arnaud, le têtu. Bon, voilà, on a passé un bon moment en tout cas ensemble. On se fait un petit break maintenant, simplement les annonces pour éviter le coronavirus, il doit rester chez vous, c'est ça. Il faut que je reste chez vous. N'oubliez pas, pour éviter le coronavirus, il faut m'inviter. Il faut que je reste chez vous, d'accord ? Si jamais tu perds tes cheveux, tu vas devoir arrêter le sketch du curé. Mais je perds mes cheveux. En réalité, je vais te dire honnêtement, je ne perds pas mes cheveux, je m'épile pour ressembler à un curé. Trop fou. Et les Illuminati, je suis sûr que tu en fais partie. J'étais un Illuminati pendant très longtemps, j'étais au-dessus du 333, et puis aujourd'hui, j'ai gagné. Regarde quoi ce que j'ai gagné. Eh bien, j'ai simplement gagné l'alchimie. On est au-dessus de tout. Le virus chinois ne survit pas dans la mer. Et pourquoi ? Le virus chinois ne survit pas dans la mer. Je ne sais pas si on est allé à la plage. J'ai pas eu le temps de le lire parce que c'est un tout petit peu trop long. Bisous les dingos. Salut. Ah tiens, Chris Franck, grand malade. Bravo, hein, bravo les gars. Un coucou de soignants. Salut, salut. Welcome in Lille. Comment vas-tu ? Les Lillois, je reviendrai bientôt à Lille. Salut, hein, ça fait... c'est moi le président de la République. Tu fais les messages beaucoup trop longs. Il y a le mystère. On va continuer. Attention, pour vous tous les amis... C'est quoi, c'est comme chanson ? Qu'est-ce qu'il peut chanter ? Qu'est-ce qu'il peut chanter ? Chukran mucho, chukran mucho, chukran mucho, chukran mucho. Como va la vez, hermano Joya? Como va la vez, hermano Joya? Mira chouf chouf, mis pa kif kif. Ça vient, ça rentre dans la tête, hein, c'est fou, hein, très intelligent. Me dit Christelle, je te remercie beaucoup. Yepa, 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 Cédric, tu vas bien, Choukran Mucho, Francisco, non, mais infernal. Je te remercie, Sylvie Malek, Choukran de tout. Salut Greg, mon ami, le têtu également. Tout le monde est fort, 1 million de chômeurs chez Pôle emploi. Bah oui, il y a 1 million de chômeurs chez Pôle emploi. Mais si tu regagnais une souveraineté peut-être un peu plus française, il y aurait 0 chômeurs parce que tout le monde pourrait travailler. Seulement, ça ne ferait pas gagner les grandes multinationales, évidemment. Mais par contre, tout le monde pourrait vivre de façon extrêmement confortable. Et même, je pense que tout le monde pourrait être riche si on pouvait repartager l'argent de façon plus intelligente et moins égoïste. Je te kiffe, me dit Yann. Prions tous ensemble pendant qu'ils se fouettent le dos. Yes, prions, puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous. Alors, périons tous ensemble. Périons, périons, prions tous ensemble. Merci, Choukran. Sandrine, je viens. Kiki, c'est mon York. Kiki, c'est mon York. Ça fait caca. Coucou. Salut, tu es défoncé. Kaka. Non, ça va. T'es trop fort, je te remercie beaucoup. Carole Breton, non, il faisait soleil avant. Un petit jeu de con, s'il te plaît. Un petit jeu de con. Coucou, Mary, tu viens quand ? À Malte. Je ne sais pas, mais ça me tente. Hein. Ça me tente. Un petit jeu de con. J'essaie d'en trouver un parce qu'il me semble que j'en avais noté, mais je ne sais pas où. Mais j'en avais noté, il me semble, des jeux de con. On avait noté, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je suis un véritable abruti. Parfois, je me monte. Je suis un véritable abruti. Parfois, je me monte. Et je suis drôlement heureuse. Alors, attention, c'est parti. C'est parti, plein de vie, tu es juste génial, ne change jamais. Piccolo, Eric Moubarak, bien évidemment, aux amis musulmans qui viennent de finir le ramadan. Je pense qu'ils sont heureux d'avoir fini le ramadan, alors que je pensais que le ramadan était plutôt une période festive et de fête. Mais apparemment, quand on arrête une période de fête, je ne sais pas si on fait encore la fête pour souhaiter que cette période de fête... Je ne sais pas, il y a beaucoup de notions religieuses qui m'échappent de toute façon, en tout cas qui n'ont pas beaucoup de logique. Mais si un jour vous avez l'occasion de parler avec des notamment en tout cas des chrétiens, vous allez voir qu'il y a quand même quelques trucs... C'est pas carré. Purée, impossible. Tu fumes quoi comme drogue ? Je t'ai déjà expliqué. Alors, je mets un petit peu pour faire une bonne drogue. Pour faire une bonne drogue, tu prends un petit peu de hashish que tu saupoudres légèrement avec de la cocaïne. Un petit peu de hashish. Tu roules tout ça dans une feuille de LSD. Pas facile à trouver. Tu mets tout ça dans une feuille de LSD. Tu mets du poppers dessus. Une fois que tu as mis tout ça, tu mets tout ça dans une seringue. Et quand tu es dans la seringue, tu l'injectes directement ici. Ici, et là, tu t'es fait une bonne défense. Voilà, c'était la recette, parce qu'on me demande qu'est-ce que tu prends comme drogue. Voilà. Bisous de l'herbe, salut Mary. Salut, c'est quoi ce Marbrook qu'il faut aider ? Je ne sais pas. On le voyait avant très souvent dans 30 millions d'amis, mais maintenant, je ne sais pas où il est ce Marbrook.
Moubarak. La carte postale, comment vas-tu? Coucou, coucou, la carte postale. Jacques Normand, ça va bien, Jacques Normand? Jacques Normand, tu vas bien, voilà, tu mets de la beuh. T'as vraiment gagné l'euro million, c'était un sketch. J'ai vraiment gagné plusieurs fois à l'euro million, ce qui m'a donné une fortune colossale. Mais vraiment, quand je dis colossale, c'est-à-dire, c'est pas un petit peu. J'ai pas gagné un petit peu d'argent. C'est au-dessus des étoiles. Ce sont des millions lourds. Une fois que tu investis ces millions lourds, ça te rapporte encore de l'argent, parce que l'argent apporte l'argent. C'est la folie de l'argent. Et donc, c'est sans fin. Tu vois ce que je veux dire? Le virus de l'argent. Parce que c'est le plus grand virus qui existait, le virus de l'argent. Quand au départ, tu échangeais un petit peu des épices contre des tissus, etc., il n'y avait pas d'argent, tu comprends? Et puis un jour, on a créé des petites pépites d'or entre les deux, ce qui permettait de faire des échanges avec beaucoup plus loin. Si tu n'avais pas de bateau, par exemple, entre les épices et les tissus, ben, tu pouvais acheter le truc. Et c'est très bien parce que c'était une monnaie d'échange. Et puis un jour, il y a un gars qui est arrivé, le premier banquier, qui a dit: je prends cette monnaie d'échange, je la sors du circuit de la monnaie d'échange et j'en fais de l'argent, et je vais la prêter si tu m'en rends le double. Et le virus est arrivé, le virus de l'argent énorme est arrivé. Et ce virus a contaminé entièrement la planète, et là je pense que nous sommes, c'est un peu le principe d'une, c'est un petit peu le principe, salut mon Fouad, c'est un petit peu le principe du cancer, t'as une cellule qui déconne et qui métastase tout le reste. Et là je pense qu'on est en phase terminale. Le système économique, je veux dire. Bonjour, monsieur le président de la Carotte, bonjour, 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 Cédric Liberty, tu vas bien, t'es en pleine forme, Cédric Liberty qui est bien, t'as rien, me dit Fred Sangoku, ah ce bon vieux Sangoku qui est toujours vivant. Va dans la paix et la joie du Seigneur. Tu viendras sur Angers, mais je te le promets, bien sûr, Romain Garanger. Tu as l'air de vivre chichement pour un mec fortuné. Oui, c'est ça, je suis un mec extrêmement riche et extrêmement radin. Ce qui fait que je serai toujours riche et que je finirai extrêmement riche. Ainsi prouvant que l'argent est tout simplement un excès et n'est pas indispensable au bonheur. Parce que tu te dis, j'en ai énormément, mais je ne le dépense pas. Juste pour faire chier. Mairie du Pontel, Benoît, j'ai trois nanas. Coucou, arrête, me dit Ricou Ricota. Ça va, Ricota, Ricota, Ricota. Coucou, 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 Mary, salut, salut, macronien, me dit Fred Sangoku. Putain, la pointure. Salut, bois de l'alcool, me dit-on. L'argent tue, Grégory. Allez, tous, là, on n'a pas entendu ces trois. Tu comprends pas s'il y a du public. Œil de lynx, comment vas-tu? Ça faisait très, très longtemps. Oui, ça va très, très bien. Je te remercie. Comment est-ce que tu as créé ta fortune en gagnant, tout simplement? Tu bulles combien dans l'écran? Je vois pas très bien, petit craquement dedans. Salutations de la Bretagne, salam alaikum les amis bretons et kenavo, à mes amis arabes, bien sûr. T'as rien du tout, me dit Sangoku, t'as rien du tout. Gueule Sangoku qui a été entièrement vidé. Salut, Antoine Lemaire, salut. Hello du Pas-de-Calais, ça va bien, et la raclette ont été à notre avis. Salut, un gitan dans une caravane, mairie président, sauve-nous, me dit Léo. Je ne tiens pas à être président, mais de toute façon, c'est jamais un président qui te sauvera, peut-être un groupe présidentiel un jour, mais jamais un homme unique. Jamais. Il y a eu un souci avec la police, t'adores le whisky, me dit Ricou Ricota. En pleine forme aussi, Ricou Ricota. Hein. Du truc. Et le Bartisol. Et le bière. Ton claquement de l'enjeu, merci. Est-ce que tu viens faire un barbecue, les Pascal Car, avec grand plaisir, tu me dis où tu es, et j'arrive. Sylvain, vrai, comment tu vas? Je vais très très bien, no man, en pleine forme, dans une vilaise et ton dîner. Oui, je vais m'en occuper, je ne sais même pas quelle heure il est. Je regarde, il est 18h43, non pas 18h43, c'est impossible. Quelle heure est-il? Ah non, il est presque 20h, c'est ça le jeu? Il est presque 20h, je ne m'en rendais même pas compte. Ouais, il est presque 20h. Et à 20h, il faut aller dîner, c'est ça, ma douce? Ben écoute, je t'obéis, je vais y aller. Tu bois du cheval blanc avec une raclette. Par exemple, tu arrives. Oui, j'arrive, tu me dis, Sandrine, où tu es. La carotte, copain, bordel, rachète des sociétés de quoi? De Bill Gates, Bill B-I-2-L-E. D'accord, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Mary, viens me bénir quand tu veux, bien sûr, moins 5, je te remercie pour l'heure en tout cas. Ep, fais-toi enfermer, fais-toi HP, fais-toi interner. Ça, c'est Fred Sangoku. Allez, PSG, PSG. Pointure. Allez, sur son site, c'est pointure, énorme. C'est champion du monde. Nous organisons un repas, d'ailleurs, avec tes amis, pour un mardi soir, si tu voulais. On a un repas. Si tu veux venir parler de ta passion, nous serions extrêmement heureux. Ça se passera. Donc, s'il y a bien plein de gens passionnés, nous serons mardi soir. Hein, nous serons pas un dîner. Bon après-midi, il promet le grand cierge, yes. Tu ne me connais plus, Pascal, mais si, bien sûr que si, Pascal, ouais. 20h, bientôt le journal télévisé de la propagande. Ah, faut aller voir ça, les gars, amusez-vous. Je vais donc vous laisser, parce que je pense qu'apparemment, il va y avoir la grand-messe, bah oui, la grand-messe du 20h, hein, c'est donc ça. Est-ce que tu as une chambre, quoi? J'ai pas eu le temps de lire, oh là là, ça va très très vite, hein, presque qui roule, regarde ça va, les amis. Tu es trop bon, mais je te remercie, mon ami Lozano, Julien Lozano. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas tous passé une excellente semaine. Nous, on a passé beaucoup, beaucoup de bon temps.
J'ai la passion des allumettes. Bah, viens avec Fred Sengoku. Lui, il a la passion du PSG. Donc, vous parlez du ballon. Un ballon et toi, des allumettes. Et on peut être comme ça très, très bien. Et avoir une conversation, je pense, passionnante. Une soirée très, très drôle. C'est un mardi soir. Hein, n'oubliez pas. Mardi soir, à la maison, pour vous parler de vos différentes passions. Champion du monde! Champion du monde! Oh, ça devient chaud. Yes, Sandrine Villette, salut, salut. 20h apéro, une première, amène-moi la carotte la prochaine fois. Je donne un enfant à une carotte, quoi, parce que tiens. Oh là, j'ai pas le temps de te lire. Bonne soirée à tout le monde, me dit Christian Riel. Eh bien voilà, c'est 20h, vous le savez. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous aime beaucoup, très 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 fort. Et puis on se retrouve bien évidemment prochainement. Champion du monde! Avec, bien sûr, tous les amis. Ah, il me tue le trou duc. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et vive les pieds noirs espagnols. On se fait un petit choucran de mucho. Et après, on aura la phrase culte, bien évidemment, pour se séparer. Qui nous fait. Choucran de mucho. Choucran de mucho. Comment va la baisse? Comment va la baisse? Hermano Ruya. Hermano Ruya. Mira chouf chouf. Misma kif kif. Voilà. On a fait un joli choucran de mucho. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et surtout, ne soyez pas, ça va venir, Julien Fournel, tu y es, ne soyez pas, ça va venir, Pascal Carr, non, t'y es pas, attention, ça va venir, je sens que ça vient, ne soyez pas, sérieux, ouais, J-Malt, putain, excellent, Greg, un tout petit peu trop tard, dommage, merci Sandrine, je vous fais des bisous, on se retrouve bien sûr très prochainement. Très prochainement, on se retrouve très très prochainement pour un nouveau direct et d'autres vidéos. Surtout, ne soyez pas sérieux. Alors, ça c'est pas évident, et en plus, je suis coincé. C'est malin, c'est malin.